Bonjour mes amis, je viens aujourd'hui vous raconter une des histoires les plus extraordinaires du siècle dernier. C'est le mystère de la mort de Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU. Le gars qui siégeait à New York s'est retrouvé mort dans une forêt en Zambie, à côté de son cartable et les restes d'un avion fumant. Jusqu'à maintenant, l'enquête piétine. L'ONU a diligenté énormément d'enquêtes, de commissions et tout ça. Et jusqu'à nos jours, ils cherchent à savoir ce qui s'est réellement passé. Alors, je vais vous raconter ce qu'on sait. On spéculera sur ce qu'on ne sait pas. Et la vérité, probablement, ne sera jamais faite sur cette affaire. Alors, pour situer le décor, nous sommes en 1960. Le roi des Belges, Baudouin, va vers ce qu'on appelait à l'époque le Congo belge pour offrir à ce pays son indépendance. Donc, il donne l'indépendance au Congo, il rentre chez lui, les troupes belges rentrent chez elles, aidées donc par les Américains, l'US Air Force embarque tout le monde, et puis les clés du pays sont données aux locaux. Dans les jours qui suivent, les coups de feu éclatent. Les gens commencent à s'entretuer, énormément de factions politiques, et ethniques et raciales et tout ça se forment. Et voilà, ça se transforme véritablement en merdier. Les Blancs, donc qui sont d'origine belge, se ruent vers les aéroports avec leurs valises et leurs familles et tout ça, pour partir et commencent à quitter le pays. Et au fur et à mesure qu'ils partent, les infrastructures et les institutions commencent à s'écrouler. Donc, très rapidement, c'est la misère, c'est la famine, c'est la guerre pour un morceau de pain. Et nous sommes littéralement au lendemain de l'indépendance. Dans ce contexte, il y a une province au sud. Cette province s'appelle le Katanga. Elle a la taille à peu près de la France métropolitaine. Cette province décide de faire sécession du chaos, pour reprendre leurs paroles. Donc cette province, qui est très riche, une province minière, il y a encore une compagnie minière appartenant à la Belgique. Donc, il y a tout qui fonctionne encore là. Les gens vivent en bonne intelligence, il y a des blancs, il y a des juifs, il y a des noirs, il y a des personnes de toute confession religieuse et tout ça, qui vivent dans un endroit qui semble un petit peu épargné de tout, du chaos qui règne dans le reste du pays. Alors que des conseillers soviétiques appelés par le pouvoir donc congolais, arrivent dans le pays, hein, des conseillers. C'était un classique de l'URSS quand elle commençait à avancer ses pions. C'est-à-dire qu'on a un moment très dangereux dans l'histoire du pays, c'est-à-dire c'est un moment où il y a la souveraineté qui va changer de main. Et ces moments-là sont toujours des moments extrêmement dangereux dans l'histoire d'un pays. Parce qu'il y a énormément de forces qui sont à l'affût de ce genre de transition et qui veulent mettre le grappin sur le pays entier. Les plans de l'URSS sont très compromis. Pourquoi ? Parce que autant ils ont pied dans cette partie chaotique du pays, autant le Katanga leur échappe parce que le Katanga va déclarer son indépendance. Donc la province sud du pays, qui est la province la plus riche, il y a dedans du cobalt, de l'uranium, du cuivre. L'uranium en particulier est très intéressant parce que nous sommes au début des années 60. Rappelez-vous, les années 60, c'était la crise des missiles entre l'URSS et les États-Unis. C'est une période où l'humanité a été plusieurs fois à la veille d'une guerre atomique. Et
la dissuasion atomique était quand même un des éléments les plus importants de la géostratégie. Donc, un pays ou une région qui a de l'uranium va susciter toutes les convoitises. Donc, aidé par les Belges, le Katanga déclare son indépendance. Et puis, les gens, les institutions fonctionnent, les gens vivent normalement, il y a tout qui tourne dans ce pays-là, qui avait bon espoir de devenir une sorte d'exception africaine. Ce pays pouvait, avait de quoi réussir. Il n'était pas tourné vers l'URSS, il était tourné vers l'Occident, et il commençait à développer des valeurs qui étaient assez inusitées dans la région. Alors, à ce moment-là, il y a une pression formidable de la part du pouvoir donc, congolais pour ramener le Katanga dans le giron du pays. Ça intéressait aussi les Soviétiques, parce que les Soviétiques ne voulaient pas prendre que le Congo sans prendre la partie la plus riche qui allait devenir indépendante et leur échapper. Donc, que se passe-t-il? On a Patrice Lumumba, qui était un pro-soviétique, qui dirigeait, qui était le premier ministre du Congo, qui va à New York, il parle aux journalistes, on lui sort le tapis rouge, et puis il dit qu'il y a quelque chose, il y a une seule chose qui s'oppose à la paix au Katanga, à la paix dans le pays, qui est en fait la sécession du Katanga. Il parle au chef de l'ONU et va obtenir des troupes onusiennes viennent pour, entre guillemets, maintenir la paix. Et là, c'est une dérive, ce qu'on va voir, c'est une dérive absolument extraordinaire de l'ONU, c'est que la mission onusienne, qui était censée faire de la paix, du maintien de paix, va aller non pas vers la partie du Congo où il y a le merdier que je viens de vous décrire, mais ils vont aller vers le Katanga et vont devenir des belligérants. Ça signifie qu'ils vont lancer des opérations militaires de grande envergure, des opérations d'agression qui vont complètement à l'encontre du mandat de l'ONU, de la mission de l'ONU et même des principes de l'ONU, où l'ONU doit observer une neutralité par rapport aux politiques intérieures des pays et tout ça. Non, ils vont commencer à agresser frontalement le Katanga pour le ramener dans le giron du Congo qui était sous la coupe soviétique en ce moment-là. Donc, dans ce cadre, en septembre 1961, il y a Dag Hammarskjöld qui décide d'aller au Katanga pour en fait négocier la paix. En réalité, M. Hammarskjöld ne va pas négocier la paix. M. Hammarskjöld va aller pour essayer d'obtenir la reddition du Katanga et le ramener dans le Congo afin que la prise de guerre, afin que le butin soviétique soit complet. Il arrive donc à Léopoldville dans un avion, un DC-6. Les matriculations, si je me souviens bien, c'était S-E-B-D-Y. Voilà, S-E-B-D-Y. Un DC-6. C'était un avion à quatre moteurs, un avion à hélice, très utilisé à l'époque par les compagnies aériennes au début des années 60. Et c'était un avion, pour ne rien vous cacher, qui tombait comme des mouches. Les DC-6, les accidents impliquant des DC-6 étaient très 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 fréquents en ces temps-là. En janvier 1960, un DC-6 explose au-dessus de la Caroline du Nord. Le corps d'un des passagers est retrouvé à plus de 30 km de l'épicentre du crash. On soupçonne que le gars avait une bombe sur lui. Mais l'enquête reste ouverte jusqu'à nos jours, faute d'éléments assez solides pour conclure. Le mois suivant, février 1960, un Douglas DC-6 percute un Douglas D-3 en vol au-dessus de la baie de Guanabara, au sud du Brésil. Septembre 1960, un DC-6 argentin s'écrase, causant la mort de ses 31 passagers ainsi que l'équipage. L'hélice du moteur numéro 3 s'était séparée et avait été heurtée violemment, celle du moteur numéro 4, causant la destruction de l'appareil en plein vol. Une semaine plus tard, un autre DC-6 percute une montagne à Gam, causant 80 morts. Juillet 1961, un DC-6 argentin est détruit par les turbulences. Le bilan est de plus de 70 morts. Deux jours plus tard, un autre s'écrase en Alaska, tuant 6 personnes.
Le 10 septembre 1961, un DC-6 s'écrase en Irlande, causant la mort de 80 passagers. Donc, quand le secrétaire général de l'ONU voyage dans cet avion, il avait les statistiques contre lui. Sa mission ou son déplacement vont s'inscrire dans une longue litanie d'accidents. Mais était-ce vraiment un accident? Ça, c'est la question que l'ONU se pose jusqu'à nos jours. Alors, l'avion, je disais, arrive à Léopoldville. On appelait ça Léopoldville, c'est aujourd'hui Kinshasa, capitale donc de ce qu'on appelait le Congo belge. L'avion arrive pour une escale parce que sa destination finale, sans jeu de mots, c'était Ndola, qui est un petit aéroport qui se trouve en Zambie, mais à la frontière avec le Katanga. Donc en fait, l'idée, c'est de rencontrer Maurice Tshombe, qui était un pro-occidental, qui était le président, on va dire, du Katanga libre, et en fait, qui allait traverser la frontière pour venir à sa rencontre, pour venir rencontrer donc le chef de l'ONU. À son approche sur Kinshasa, l'avion subit des coups de feu. On trouve quelques impacts de balles sur la carlingue. Bien sûr, Monsieur Dag va s'inquiéter. Est-ce que c'était un attentat? Est-ce qu'on a tenté de le tuer? Maintenant, les autorités de l'aéroport le rassurent. Ils lui disent, écoutez, faut pas le prendre perso, il n'y a rien contre vous, personne ne sait que vous êtes dans cet avion. Il est très possible que ce soit des gens qui tirent sur tout ce qu'ils voient. Le pays avait plongé dans la violence, les armes circulaient, étaient entre toutes les mains. Donc, ils lui disent, faut pas vous inquiéter, ce sont juste des gars qui sont sur l'axe d'approche, ils voient un avion arriver, ils tirent, puis c'est tout. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment un attentat contre vous. Néanmoins, il a peur. Donc, à ce moment-là, on va lui proposer une technique de diversion. Écoutez celle-là, on va lui proposer de faire diversion, de tremper un éventuel ennemi. Parce qu'il va décoller de... Son idée, c'est de décoller donc de Kinshasa en DC-6 et aller vers Ndola, qui a 6 heures de route de là. Le DC-6 a de très mauvaises performances en montée. Il monte à peu près à 1000 pieds minute quand il est chargé. 1000 pieds minute, c'est l'équivalent, j'ai vu des avions d'aéroclub monter plus rapidement que ça. Donc, il offre une cible idéale durant tout son temps de montée à des armes, y compris des armes légères, en fait. Donc, on va proposer à Monsieur Dag, on va lui proposer une option. C'est de créer une diversion à l'aéroport de Kinshasa. On ramène un avion belge immatriculé au Oscar RIC. C'est un DC-4. De loin, la différence entre un DC-4 et un DC-6... très très difficile à faire la différence. C'est un peu comme si vous êtes à 3 km d'un aéroport et vous voyez un Airbus A321 ou A320 décoller, ça va être extrêmement dur de faire la différence. Les deux ont le même nombre de moteurs, 4 moteurs à hélice. La seule différence, c'est que le DC-6 est un peu plus lent et les hublots sont un peu différents. Mais si on a face à un adversaire qui n'est pas extrêmement porté sur ces choses-là, ça peut faire illusion. Donc, on ramène cet avion belge, le DC-4, on met de la sécurité autour, la fanfare, tout le monde est là, et cet avion a pour but de faire croire à un observateur, un éventuel assaillant, que le secrétaire général de l'ONU est dedans. Pourtant, d'après l'histoire officielle, il n'y était pas. L'avion belge s'aligne, décolle, met le cap direct sur Ndola, donc il va voler au sud, au sud-est. Et voilà, pour tout le monde, c'est l'avion officiel. L'avion suédois, le DC-6, lui est parqué en retrait, sans surveillance même. Et une heure plus tard, il va décoller sans plan de vol et sans même s'annoncer sur la fréquence ou quoi que ce soit. Donc il va s'aligner et décoller à son tour. Et à ce moment-là, d'après l'histoire officielle, il y a le secrétaire général de l'ONU dedans, ses gardes du corps, et en fait, en tout, ils sont 15 personnes dans l'avion, enfin, ils sont 16 personnes dans l'avion. Dag Hammarskjöld, et puis 15 autres personnes. Ce vol-là ne dépose pas de plan de vol. Le plan de vol n'est pas,
n'est pas nécessairement obligatoire en toutes circonstances. Un plan de vol peut être déposé, il est obligatoire pour certains types de vols, pas nécessairement pour d'autres. Pour certains vols, il est optionnel. Et le but d'un plan de vol, à la base, c'est quoi? C'est tout simplement pour dire, pour qu'un pilote puisse dire, je décolle de là, je vais à tel point, à tel endroit, j'ai tant de personnes avec moi, j'ai tant de carburant, je vais faire cette route, je vais suivre cette route, de sorte que si jamais l'avion n'atterrit pas à l'heure, on commence à s'inquiéter, on rentre dans une phase d'incertitude par rapport à cet avion, ce qu'on appelle incerfa, on rentre dans une phase d'incertitude, et après si jamais on sait que il n'a plus de carburant pour être en vol, on sait que il avait 6 heures d'autonomie et puis 8 heures plus tard il n'a pas atterri nulle part, on appelle les aéroports sur le chemin, hein. Personne ne l'a vu atterrir. Dans ce cas-là, on rentre dans une phase qu'on appelle détresse, phase de détresse. Et puis, on sait que l'avion s'est écrasé quelque part et les recherches commencent et on sait quel est l'avion, combien de personnes il y avait et tout ça. Donc, c'est un peu le but d'un plan de vol. C'est plus la sécurité que le contrôle en réalité. Donc, dépose pas de plan de vol, décolle et au lieu de décoller en faisant un direct sur Ndola, ce qu'il va faire, il va faire un chemin un peu plus compliqué. Il va aller vers l'est, il va tracer vers l'est. Une fois qu'il arrive à la frontière avec quel pays? Avec la Zambie. Ouais, il va arriver sur le lac. Il va arriver sur le lac. Il va arriver sur un lac. Et ce qu'il va faire, il va aller verticalement. Il va descendre vers le sud pour rejoindre sa destination. Il devait atterrir vers minuit. Toujours un mauvais moment d'atterrir vers minuit, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va se passer, c'est que durant le vol, vers la fin de son vol, l'avion, le DC-6 de M. Dag, le pilote rend le silence radio pour demander des nouvelles de l'avion belge, qui était là pour servir, on va dire, pour tromper les mondes. On lui dit, oui, il a atterri, il n'y a pas de souci, il a atterri vers 22h30, tout le monde est là, donc il n'y a pas de problème. Un peu plus tard, vers minuit, l'avion donc de Dag, l'avion suédois passe à la verticale de l'aéroport de Ndola. Tout le monde le voit les lumières, tout ça. Dans le terminal, il y a Monsieur Chambé, n'est-ce pas, président donc du Katanga, qui attend dans le terminal que Monsieur Dag arrive. L'avion suédois donc s'éloigne. À la radio, le contrôleur lui donne l'autorisation de descendre à 6000 pieds. 6000 pieds à Ndola, c'est quand même l'altitude minimale de secteur. On a tous les pilotes, quand ils volent vers un aéroport, en particulier un aéroport entouré, un aéroport un peu en hauteur, comme celui d'Ndola, qui est à 4200 pieds, un aéroport entouré de collines, font très attention à ce qu'on appelle l'altitude minimale de secteur. C'est une altitude en dessous de laquelle il ne faut pas descendre. En particulier, quand on est sur un aéroport comme Ndola, où il n'y a pas un système d'approche très rudimentaire, qu'on appelle le NDB. Le NDB, c'est tout simplement une aiguille, hein, c'est un instrument comme ça, rond, avec une aiguille, qui indique la direction de la balise, qui indique le gisement vers la balise. Ça signifie, elle indique, si la balise est à droite, l'aiguille va aller à droite. Si la balise est à gauche, elle va aller à gauche. Si on va vers, elle va aller tout droit. Le problème, c'est que ce n'est pas un instrument extrêmement précis. C'est un instrument qui subit aussi les orages et les interférences et tout ça. Les pilotes en général détestent les NDB, en particulier une approche NDB, c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, l'avion s'éloigne, et puis, c'est la dernière fois qu'on le voit en fait. C'est la dernière fois qu'on le voit. Le contrôleur aérien attend que cet appareil s'annonce à 6000 pieds, parce qu'il était convenu que les pilotes devaient descendre à 6000 pieds et après dire au contrôleur, nous sommes à 6000 pieds. Ils n'ont jamais rappelé, en fait. Le contrôleur n'a pas de plan de vol, il ne connaît pas les intentions de cet avion. Surtout lorsqu'il leur dit, est-ce que votre intention est d'atterrir à Ndola? Le pilote répond négatif. Donc, ne voyant pas cet avion se présenter en finale, ne voyant pas cet avion demander des instructions pour l'atterrissage, le contrôleur aérien classe l'affaire. Monsieur Chombé au terminal classe l'affaire aussi. Il attend, voyant personne venir, il fait quoi? Ben, il part, les lumières du terminal s'éteignent, le contrôleur aérien rentre chez lui,
Et puis voilà, puis c'est terminé, point final. Le lendemain, sur le marché de Ndola, des flics trouvent un gars en train de vendre une machine bizarre. Il dit aux flics, c'est une machine à écrire qu'il a eue, juste comme ça, hein. D'accord ? Les flics sont pas convaincus. Ils ramassent le gars, ils disent, bon, tu prends ta machine, tu viens avec nous. Il l'emmène au commissariat, le gars arrive, bon, il est obligé de lâcher le morceau, il dit, bon, voilà, lui, il était dans la forêt, il y a un avion qui s'est écrasé, et des pillards s'en sont approchés, ils ont ramassé ce qu'ils ont trouvé, bon, voilà, c'est tout. C'est à ce moment-là que les secours arrivent sur site. On est le lendemain, 15 ou 16 heures. Donc on est littéralement 15 heures, 16 heures après le crash. Qu'on a les premiers secouristes, qu'on a les premiers flics sur site. Alors ils trouvent quoi? Ils trouvent les restes de l'avion. L'avion semble avoir bouffé la forêt. Ça signifie qu'en fait, quand on regarde les photos de cette prise de la forêt, on voit que les cimes des arbres ont été coupées sur une longue saignée qui est faite dans la forêt. On peut même calculer le plan de descente qu'avait l'avion qui a fait ça. Plan de descente de 5 degrés, ce qui est énorme, 5 degrés. Normalement, dans un endroit comme ça, on s'attendrait à grosso modo 3 degrés. Là, l'avion était en train de descendre très rapidement. On est à 14 km de l'aéroport aussi, ce qui est un peu dingue parce que l'aéroport est à 4200 pieds. La colline où l'avion s'est écrasé, elle est à peu près à 4400 pieds. Donc, 14 km avant l'aéroport, l'avion était à 200 pieds seulement, au-dessus de l'altitude de l'aéroport. C'est inexplicable, en fait. Pourquoi cet avion-là est tombé de cette manière, était si loin de l'aéroport, pourquoi a-t-il plongé vers la colline de cette manière? On trouve Monsieur Dag, mort, bien sûr. On trouve les gardes du corps. Alors les gardes du corps, il y a un détail un peu troublant, c'est que leurs corps sont brûlés, mais ils sont aussi criblés de balles. On dira que, alors l'histoire officielle de l'époque a dit que, oui, alors, il y a eu le feu, et donc il y avait des boîtes contenant des balles, donc de cartouches, de pistolets qu'ils transportaient avec eux, et avec le feu, ces balles ont commencé à éclater, puis rentrer dans leur corps. Ce qui est un petit peu difficile à croire, parce que les balles, quand elles prennent feu, elles les éclatent un peu façon pop-corn, mais elles n'ont pas de puissance suffisante pour traverser le corps de quelqu'un. Il y a des expériences qui ont été menées avec des dizaines de milliers, parce que les pompiers étaient inquiets, les pompiers américains étaient très inquiets par rapport à intervenir s'il y a une armurerie qui prend feu. Ils étaient inquiets par rapport à ça. Que vont faire les armes une fois qu'elles prennent feu? Est-ce que ça va commencer à nous tirer dessus? Et en fait, il y a une organisation de pompiers qui a pris des cartons et des cartons. Je pense que c'était 26 000 ou 27 000 cartouches. Ils ont mis le feu. Hein, ils ont mis le feu à ce lot-là. Et ce lot commence à éclater. Et on a à un moment donné même une sorte de plaque en plâtre qui est placée devant. Et en fait, il y a quelques balles seulement qui la touche suffisamment pour pouvoir se ficher dans le plâtre. Il n'y a aucune qui réussit à traverser le plâtre. Il y a même un pompier qui arrive très proche du feu, et puis il sent les balles taper sur sa tenue, sans qu'aucune ne mette sa vie en danger. Là, les gardes du corps sont complètement comme des passoires. On trouve aussi une mallette avec une autre machine à écrire, enfin, un truc de chiffrement qui n'avait pas été pillé. Et puis dans les photos que je vais pas vous montrer dans cette vidéo, elles sont un peu trop brutales peut-être. Dans les photos, on voit sous le col de Monsieur Dag, on voit une carte à jouer. Il s'agit de l'as de pique. Alors, l'as de pique, c'est ce qu'on appelle, dans la culture américaine en particulier, la carte de la mort.
Elle était dans la main de l'homme mort. C'est un gars qui a été abattu dans un saloon au Dakota. Et sur lui, on avait trouvé des cartes. Il y avait l'as de pique, l'as de trèfle, le 8 de pique, le 8 de trèfle, une carte retournée. Dans l'histoire, a perdu la trace. On ne sait pas ce que c'est, cette carte. Ce qu'on appelle la main de l'homme mort. Au Vietnam, les soldats américains mettaient l'as de pique sur leur casque. Durant la guerre d'Irak, la guerre du Golfe, il y avait un jeu de cartes qui était sorti par les Américains pour les personnes recherchées. Et il y avait la tête de Saddam qui figurait sur la carte, je vous la donne en mille, l'as de pique. L'as de pique, la carte de l'homme mort. Donc, cette carte-là a été souvent associée à la mort, associée aux personnes à mourir. Hein, Saddam, vous voyez comment il a fini, mort. Donc, cette carte était placée sur M. Dagg. Le corps est ramassé, levé, transporté en Suisse, puis en Suède, obsèque nationale. Kennedy qui dit que c'est un homme, un des plus grands diplomates de notre histoire ou de notre époque. Et voilà. Et l'enquête n'a jamais, pas l'enquête, les enquêtes n'ont jamais réussi à déterminer ce qui s'est passé. Au départ, ce qu'on a pensé, on a pensé au CFIT. CFIT, c'est type de crash où les pilotes contrôlent l'avion. L'avion n'est pas endommagé, n'a pas de panne, n'a rien de particulier, mais par inadvertance, vont taper contre le terrain, taper contre une montagne, taper contre l'eau, taper contre le sol, sans le faire exprès. Parce que ils ont une mauvaise awareness de la situation, hein, ils ne sont pas aware, et ils se trompent de navigation, par exemple. Ils croient que la montagne est à 10 km, alors qu'en fait, elle est à 1 km devant eux, et ils vont se la prendre. Pareil pour une forêt, surtout qu'il faisait nuit, les pilotes ne connaissaient pas l'endroit, n'est-ce pas? Et voilà, l'histoire en reste là. Maintenant, spéculons un peu. Que s'est-il passé après? Que s'est-il passé après la mort de Monsieur Dagg? En 63, le Katanga est ramené de force au sein du Congo. Katanga est ramené et l'union du pays est achevée. Le pays tombe en 65 sous Mobutu. Mobutu le traite comme le traitaient les Belges en fait avant. Propriété privée en fait. Il va saccager le pays. Ça sera un des pays les plus pauvres de l'Afrique si ce n'est pas de la planète. Et lui, bien sûr, vivra dans l'opulence. Mobutu, c'est les Américains. Mobutu, ce n'est pas les Soviétiques. Mobutu, c'est le dictateur des États-Unis. Donc, nous voyons qu'entre 1960, 1961, la mort de Dagg, 1965, on a un cheminement qui fait que c'est finalement les Américains qui ramassent la mise. Les Soviétiques étaient en pole position au départ. Les Soviétiques étaient là le jour où sont partis les Belges, ils étaient là. Ils étaient peut-être même là avant. En tout cas, les conseillers ont apporté leur concours pour déstabiliser le pays, pour créer de l'agitation et progressivement, donc, installer leur pion au pouvoir. Et soudainement, bam, le chef de l'ONU qui était en train de mettre cocu les Américains. Il faut le savoir. C'est-à-dire que M. Dagg, travaillait clairement pour les communistes. On l'a décrit comme un homme de paix, de cessez-le-feu. Non. C'est pas un homme de cessez-le-feu. Les opérations que menait l'ONU, c'était des opérations d'offensive. C'était de l'offensive militaire grandeur nature. Il avait ramené des Indiens, des Sri Lankais, des Éthiopiens, des Irlandais, habillés avec des tenues de l'ONU, armés jusqu'aux dents, et qui, dans le but de maintenir la paix, étaient en train d'attaquer le Katanga, étaient en train d'attaquer et faire des offensives militaires. Les troupes étaient transportées par des navires soviétiques, mais aussi par les cocus de l'histoire, qui sont les Américains. Le plus grand cocu de l'histoire, c'est qui? C'est Kennedy. Kennedy s'est fait, il arrive au pouvoir. 2 mois plus tard, il s'est fait entuber dans l'histoire de la baie des cochons par la CIA et tout ça. Après, il s'est fait entuber par Dagg au Congo, parce que ce qui s'est passé, c'est que
dingue, faisait transporter les troupes onusiennes par les armées, par les avions, par les Globemasters de l'US Air Force, qui allaient les déposer, et au moment où ils descendaient de l'avion, ils commençaient à se battre au profit des troupes communistes. Dag joue un double jeu. Dag était en train de mettre cocu les Américains. Il était en train de vouloir rattacher le Katanga, il voulait le rattacher au Congo qui était sous contrôle soviétique. Et il utilisait pour cela les ressources de l'ONU, les ressources américaines, et il reculait devant rien. Quand il est parti, il était probablement, hein, là c'est de la spéculation pure à partir de là, ce qu'il a fait, l'a mis probablement sur la hit list de la CIA. La CIA s'arrachait les cheveux à l'époque. La CIA écrivait des rapports à la Maison Blanche en leur disant « Nous voyons le pattern, nous voyons le schéma classique de l'URSS qui tente de prendre ce pays, le Congo, et le mettre sous son giron. » Dag joue avec les cartes de l'ONU et il travaille pour les Soviétiques. Kennedy est un cocu. Kennedy a toujours été, ça n'a jamais été le gars le plus smart. Hein. Kennedy, lui, est conduit par... Hein, c'est un type qui n'a jamais été extrêmement fut-fut. D'ailleurs, il faut voir comment il a fini. Hein. Il n'a pas été très loin, quoi. Hein. Il s'est fait éclater le bocal par les Texans, hein, comme un grand. Hein. Le mec, voilà, avec tout le passif qu'il avait, et il descend en bagnole en faisant des signes à la foule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la CIA, probablement, a lancé une opération contre M. Dag. Vous pouvez pas le flinguer à New York, hein, c'est pas possible. Mais une fois qu'il arrive à minuit, en plein Zambie, là c'est clair que l'équation est en sa défaveur. Tel que je le vois, probablement ce qu'ils ont fait, ils ont fait la chose suivante. Quand ils ont créé cette diversion à Kinshasa, avec l'avion belge, rappelez-vous, le DC-4 belge au RIC, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé à M. Dag, avec ses gardes du corps, de monter avec eux dans l'avion et de laisser l'avion suédois partir vide. Voilà l'histoire, telle que je la vois. Donc, l'avion, ce n'était pas une diversion. C'était réellement, on part avec l'avion belge. La Belgique était pro-indépendance du Katanga. Monsieur Dag était contre. Donc, vous voyez, déjà, il monte avec les Belges. C'est un peu stupide de sa part de faire confiance aux Belges. Parce que les Belges ne souhaitent pas une réunification du Katanga. Souhaitent l'indépendance du Katanga, les Belges. Alors que lui vient pour faire le contraire. Donc, il embarque, il fait confiance aux Belges, il embarque sur l'avion belge démarre et va survoler ces régions hostiles pour aller vers Douala. Possible que dans l'avion belge, il y avait donc les gens de la CIA, le département SAD, hein, des opérations, n'est-ce pas, les flingueurs. Donc, le gars se fait flinguer quelque part au-dessus donc du Congo. Pendant que son pilote, lui, il fait quoi ? Son pilote décolle avec l'avion suédois et il fait quoi ? Il fait une trajectoire très intéressante. Ça veut dire qu'en fait, il décolle, il va aller vers l'est, n'est-ce pas ? Il va aller vers l'est et il va après, pendant 500 km, il va longer la frontière du Congo en descendant vers le sud. Le gars est nerveux. Monsieur, comment il s'appelait, Hans Holankist, le commandant du DC-6 suédois. Il était nerveux. Il sait que son client est parti avec les Belges. Mais lui, il ne fait pas confiance. Il sait que c'est un endroit de tous les dangers. D'ailleurs, dans le même mois de septembre 61, il y a un avion de l'ONU qui avait perdu un moteur ou autre. Il avait fait un atterrissage d'urgence au Congo, dans un petit aéroport. Les pilotes se sont fait découper à la machette. Donc, c'était une époque où la panne sèche était particulièrement redoutée. Et en fait, M. Holanki s'est fait croire. Il décolle, il va vers l'est. Et après, il va longer la frontière entre le Congo et la Tanzanie.
Pourquoi il fait ça? Parce que lui, il craint l'embrouille, il craint la maldonne. Il se dit, je reste allonger la frontière. Si je sens qu'il y a quelque chose, hein, il sent le vinyle, mais il se dit, si je sens que les choses se passent mal, je prends un virage à 90 degrés à gauche et une minute plus tard, je suis en dehors du pays. Voilà, il veut pouvoir s'arracher facilement. On le comprend. Pendant qu'il est en train de descendre vers le sud, il fait un appel vers Ndola et il demande si le vol du patron est arrivé. Il demande si l'avion belge est arrivé. Quand on lui dit que l'avion a atterri, que tout va bien, là, le gars se sent rassuré. Il fait quoi? Il décide de continuer vers Ndola. Il se dit, voilà, on a failli avoir peur, tout va bien, je vais vers Ndola. Minuit, pendant qu'il est en train de faire des cercles pour pouvoir atterrir, on tente de l'intercepter. Il y a des éléments qui sont sortis il y a 2-3 ans seulement, où il semblerait qu'un pilote belge a tenté d'intercepter l'avion suédois. Et que durant cette interception, il a tiré des balles pour des balles traçantes pour l'effrayer, pour vouloir juste l'obliger à le suivre. Et que bon, voilà, c'est la nuit, il a tiré dans l'avion s'est écrasé. Le pilote en question a toujours nié, le pilote en question, il a dit que non, qu'il n'était pas là. Il a changé, il a dit, on fait des fois des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais il a aussi changé d'avis après, il a dit non, sa famille plutôt, parce qu'il est mort. Sa famille a dit non, il était ailleurs en Afrique en train de négocier l'achat d'un avion pour le compte d'un groupe rebelle. Un groupe rebelle voulait s'équiper d'un avion, lui était en train de négocier ça pour eux, qu'il n'était pas là. En tout cas, Monsieur Dag, donc, est flingué par la CIA avec l'aide des Belges, ce qui me semble logique. À ce moment-là, ça semble beaucoup plus logique maintenant, si on regarde le rapport des intérêts et de la force. L'avion s'écrase malencontreusement. L'avion suédois, qu'on tente de détourner, s'écrase dans la forêt. On fait quoi? Ils ont 16 heures. On prend le corps de Monsieur Dag, on le plante là au milieu. D'ailleurs, les corps sont brûlés. Lui, il ne l'est pas brûlé. Pourquoi? Comment on appelle ça, ces gardes du corps sont brûlés également. Son corps, lui, n'est pas brûlé, comprenez. Les coups de feu, pourquoi les coups de feu? On a probablement tiré sur les gardes du corps, après on a mis le feu, pour pouvoir, en se disant, peut-être qu'on ne verra pas ça, mais après ça a été vu, parce qu'ils ont été scannés, rayon X, autopsie, tout ça, ils ont trouvé les balles. Donc voilà, l'histoire de cette mort est absolument mystérieuse, extraordinaire. Plus on creuse, plus on va trouver des éléments qui remettent, j'allais dire, qui remettent en cause la version officielle. En fait, il n'y a pas de version officielle. Les officiels cherchent toujours. Voilà. Donc, je vous laisse avec ces questions ouvertes. Et puis, rencontre à la prochaine vidéo.